Merci, Monsieur le Président. Écoutez, effectivement, Monsieur Savoldelli l'a dit, il ne s'agit pas là de se dire qu'on va proposer un horizon très joyeux, plein d'avenir, plein de promesses à la jeunesse en disant qu'on va ouvrir le RSA aux 18-25 ans. C'est juste donner à ceux qui en ont besoin pour vivre des moyens de le faire. Or, qu'est-ce qu'on a aujourd'hui? Quelle est la politique en direction de la jeunesse de ce gouvernement? C'est le service national universel? Ce sont les multiplications des services civiques qui sont par ailleurs l'occasion d'avoir des emplois très très peu chers dans un certain nombre de services publics où on a remplacé des emplois par des services civiques? C'est Parcoursup! La grande tension, la grande angoisse de tous les lycéens à chaque note qu'ils reçoivent pour se dire comment je vais m'en sortir? C'est ça votre politique jeunesse aujourd'hui dans ce gouvernement. Et c'est... Alors, je ne sais pas, Monsieur Richard, qui est le plus tyrannosaure entre vous et moi, je vous laisse juger. En tout cas, moi, ce que je vois, c'est que cette jeunesse, aujourd'hui, on ne lui donne aucun signe d'espoir. Et nous, quand on veut juste lui donner un signe de capacité à rester dans la dignité pour pouvoir vivre, eh bien, je vois quoi? Je vois du mépris. Et moi, je vais vous dire, je crois que cela me touche. Cela me touche. Et je vais vous dire autre chose. Il ne faut pas confondre une prestation sociale avec le projet de revenu universel. Le projet de revenu universel, ce n'est pas le RSA. C'est une vision totalement différente de la protection sociale qui rend chaque citoyen en capacité de faire ses choix, de vivre sa vie et aussi de se projeter dans un avenir meilleur et dans des capacités d'évolution. Ça n'a rien à voir avec le RSA ni avec votre revenu soi-disant universel que le précédent gouvernement travaillait. Alors, nous savons bien, Monsieur le ministre, que vous avez rompu avec votre passé. Nous vous laissons l'assumer. Il n'y a pas de difficulté. Mais assumez aujourd'hui la réalité sociale de la jeunesse et répondez-y.